Alors Jacques Cheminade devrait déposer aujourd'hui, dit-il, 530 parrainages au Conseil constitutionnel. Et on attend aussi Cindy Lee, David Derrier, Jean-Marc Governatori, Philippe Poutou, je l'ai dit, Patrick de Villenoisy, Nicolas Stocker, Frédéric Pradel, Karl Lang et des dizaines d'autres personnes qui cherchent des parrainages pour être candidats. Il faut souhaiter que tout le monde les ait. Il pourrait y avoir 50 candidats au premier tour à peu près. Ce serait bien, Nathalie Arthaud? Mais je sais que vous faites effectivement, il y a les grands candidats et ceux non, qui ne je vous sont dis pas ça au premier légitimes. Degré, non, Et que ça vous gêne beaucoup qu'il y mais ait pas du des tout. courants, y compris Pourquoi vous dites minoritaires, ça? qui fassent entendre leur voix. Mais est-ce que vous souhaitez Eh que tous les bien, gens que j'ai cités aient leur parrainage? C'est ça écoutez, ma s'ils question. ont leur parrainage, Ils seront cela candidats? montre qu'ils représentent quelque chose, qu'ils ont une force militante, parce qu'en réalité, seulement ceux-là peuvent avoir effectivement leur parrainage dans le pays. Parce que c'est pas facile, vous savez, il faut aller frapper à la porte Bien sûr. de milliers de maires, il faut les convaincre. Et les convaincre sur quelle base? Et il Hein, faut vous croyez souhaiter. que les maires, Mais bien sûr, vous avez raison. c'est des uluberlus qui vont soutenir Pas n'importe du quel tout. quidam qui frappe à leur porte? Pas du Eh tout. bien non. Eh bien, il faut Moi, souhaiter j'ai que toutes ces beaucoup plus personnalités aient leur parrainage. de respect Bien des sûr. maires, manifestement, que vous. Mais pourquoi Alors, vous dites ça? Je vous moi, dis je... qu'il faut souhaiter que ces personnalités-là aient leur parrainage. Eh Que bien, tant Philippe mieux, Poutou alors, les si vous ait, que... l'espérez aussi, Voilà. eh bien, écoutez, Nous sommes d'accord. il n'y a pas de Et problème. Moi, je pense que c'est enfin, la voilà. démocratie, hein, à Absolument. partir du moment où, effectivement, on remplit, hein, eh bien, Bien sûr. le cadre et les règles, eh bien, il n'y a pas de raison de censurer qui que ce Vous soit. avez Et raison. justement, on verrait pas, y compris ces faux débats, hein, et on verrait pas cette Bien course à sûr. l'échalote, hein, qui ne signifie rien et qui ne répond en rien au problème aujourd'hui de la Mais population. c'est un point d'accord entre nous, Nathalie Arthaud. Eh bien, je le découvre. Eh bien, nous en sommes heureux.